Qui dans la salle connaît le réalisateur Javier Caldera? C'est moi. Qui est venu parce que le titre est rigolo? Attends, dans le Venn diagramme, il y a quand même une bonne dose qui est commune. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Javier Caldera était déjà venu ici avec Ghost Graduation, pour lesquels il a gagné le prix du public. Et le Grand Prix du Bif, il était venu avec Spy Time, pour lequel il avait gagné le prix du public. En fait, le plus facile pour expliquer Javier Caldera, c'est que si tu espères gagner le prix du public avec ton film, mais que Javier Caldera est là, c'est pas pour toi. Ce sera une autre fois, refais un film, reviens nous voir, il n'y a pas de problème, on te laissera rentrer, on comprend les circonstances. Onze régisseurs, il est quand même allemand, dames et heren, was hier met Goat Graduation and Spy Time, twee keer Public Express. Un applaus voor Javier Ruiz Caldera! Ben oui, je t'avais dit, il dit, ouais, je vais écrire ton nom, et les gens vont faire, ouais. Et il dit, non, personne ne connaît, etc. Il parle français d'ailleurs aussi, en plus, donc ça va être facile. Je chante mieux que je parle, le français. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Mais non. Attendez. On va faire la chanson après, C'est très codé, il y a d'abord les questions et après la chanson, on va faire comme ça. Mais tu réalises mieux que ce que tu chantes des chansons. Oui, j'espère. C'est parler chanson, film, enfin, parler chanson. Et d'ailleurs, tu avais déjà Spy Time, ton dernier film, était déjà une adaptation d'une bande dessinée espagnole connue. Super Lopez, c'est à nouveau une adaptation de bande dessinée. Mais est-ce que tu peux nous parler de Super Lopez, de l'importance de Super Lopez dans la culture espagnole? Et puis surtout, pour toi, pourquoi Super Lopez? Super Lopez, c'est pour moi, en fait, c'est pas parce que je suis ici, mais quand j'étais petit, je lisais tout le temps le Super Lopez, c'était un comique, et c'était pour moi la porte de rentrée dans le genre fantastique, parce que c'était une comédie, mais on parlait d'extraterrestres, d'aliens, d'aventures Merci. Et c'est pour moi la porte de rentrée dans le fantastique. Et je comprends que je sois ici dans un festival de films fantastiques pour cette raison. Merci. Hij heeft altijd Super Lopez gelezen en voor hem was het ook zijn ingang tot het genre. Want Super Lopez was wel comedy, dus dat vond hij wel leuk, maar het was wel comedy met buitenaardse wezen en van allemaal fantastische dingen. I had a first question, but it was a good one. Pourquoi je te parle en anglais maintenant? Oui, s'il vous plaît. Chante. Non. Non. Ah, t'as jamais chanté, si? Si, j'ai déjà chanté. Toi, t'as chanté? Oui, j'ai déjà chanté. Ah bon? Tous les ans. Ah bon? Bailando, amigos, adiós, el silencio loco. Non, c'était la mienne. C'est vrai? Eh bien maintenant, la chanson est l'affût, il va falloir monter encore plus haut. Et donc on discutait un petit peu et tu me parlais de ton prochain projet et ça a l'air vachement bien. Oui, en fait je suis ici en cachette parce qu'en 10 jours je commence le tournage de mon prochain film, que c'est mon premier réellement fantastique film, c'est un film de zombies dans la guerre civile. Mais seulement, je suis en train de le faire pour revenir ici. Parce que vous êtes le mieux public du monde. C'est vrai. Le mieux. Vous êtes vraiment une bande d'égocentriques. Hein. On vous dit que vous êtes bien. Ouais, il a tellement raison, il a raison, on est bien. Incroyable.
Mais attends, juste pour être clair, parce que je pense que c'est pas très clair. On voulait pas que tu viennes ici à la base. Ton producteur ne voulait pas que tu viennes ici. Ah non ? Il voulait. Mais... non, parce que. Vrai. Ouais, vas-y, explique ça. Bon, ils veulent pas parce que je suis en train de préparer mon film et je suis venu en cachette hier, à la nuit. Je présente le film, mais les producteurs ne savent pas que je suis ici. Alors, je vous demande de ne pas tourner rien, des photos, parce que sinon, j'ai un problème. Ne t'inquiète pas, tu es complètement passé, inaperçu. Dus, ja, heel kort samengevat, zijn volgende film is een zombiefilm. Hij is hem nu al aan het voorbereiden en hij maakt het speciaal om hier terug te kunnen komen. En zijn producer heeft gezegd van nee, je gaat helemaal niet naar Brussel. Je blijft bij ons, je hebt veel te veel werk. En hij is stiekem toch gekomen en hij vertrekt trouwens terug morgen. Demain tu repars, malheureusement. On va pas faire semblant de dire à quoi une chanson, puisque tout le monde sait que... Non, je viens préparer, hein, je viens préparer cette année. En fait, je viens avec deux amis à moi, que depuis que je suis petit, ils sont des amis de l'école, et ils sortent dans tous mes films, vous pouvez les chercher en Superlope, depuis que je fais des courts-métrages, ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. C'est la première fois qu'ils vont dans un festival de films. C'est la première fois dans sa vie, et je veux voir la face qu'ils font quand ils sachent qu'ils vont chanter. Je vous présente à Josep et Sébastien Molina, mes copains. Hey. Pour la première fois dans un festival, pas mal, hein? Pas mal du tout. Alors, je veux le raconter. Maintenant, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On est les pires, oh, j'ai porté mes meilleurs amis, mais les pires chanteurs du monde. Hein. On va chanter une chanson qu'on apprenait à l'école pour apprendre le catalan. Ok? On est de Barcelone. Un, deux. Un, dos, tres, sí. Nasco de cabrones y cállate. Montuca para la montana. Tú no sabes nada porque estás salón. Guárdate tu catalana. Siempre bella cara, martingada, espantaría. Merci beaucoup, Javier, pour être honnête. Ouais, ça va être bien. Goed, het is een, dus heel kort, dat waren zijn vrienden en ze zijn in al zijn films en ze wisten helemaal niet waarvoor ze kwamen. Het is een Belgische première en ik zou graag Film Factory willen bedanken en La Majada de España en El Reino de Bélgica. Bon film, goeie film!